La quête de 2, 2,5, 3% de croissance, ça n'a plus de sens aujourd'hui. Ça n'a plus de sens. Et ça n'arrivera plus. Je ne sais pas si ça arriverait, mais si ça arriverait dans des conditions qui sont par ailleurs ni forcément créatrices d'emplois, ni forcément très respectueuses de la planète et de l'environnement. Donc on peut inventer une croissance aujourd'hui entre 1 et 2%, qui est une croissance suffisante, 1, pour rétablir les finances publiques, 2, plus important encore, pour lutter contre le chômage et le faire diminuer. C'est drôle parce que ce que vous dites fait écho à une partie de la campagne et du propos absolument, de Benoît Hamon. Absolument, ça ne doit pas être par hasard que je vous le dis. Ah oui, tiens.